Bonjour et bienvenue sur mon podcast créatif. Je suis Adeline de la Métamorphose d'une aiguille. Vous pouvez me retrouver sous ce nom sur les différents réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et Ravelry. Je suis sous le nom de Méta Aiguille. Bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast créatif traitant du tricot, de la couture et un petit peu d'aquarelle et un peu de filage aussi. J'ai filé, vous allez voir les résultats de mon filage, une fois tricoté. Comme en habitude, là je reviens au bout d'un mois à peu près, avec mes réalisations terminées. Je vais commencer par le tricot. J'aime bien commencer par le tricot. Je vais commencer par ce que je porte. Mon Zweig, deuxième du nom. Dans une taille un peu au-dessus, et je suis pas mécontente parce que je trouvais que l'autre me moulait un peu trop le ventre aussi. Dans une laine, alors j'ai récupéré les étiquettes de chez Hobby. Alors ça, c'est le bleu marine. Je sais pas si je vous le conseillerais parce que c'est un mérino, mais je trouve que c'est un mérino qui pique un peu quand même, hein. Qui pique. Enfin, qui est pas aussi doux que la plupart des mérinos dont j'ai l'habitude. Mais et puis il est un peu, regardez, déjà, je l'ai porté que deux fois et on voit déjà un petit duvet qui se fait. Et je pense qu'il va pas mal bloucher quand même. À voir. Sinon, en termes de chaleur, j'avais peur que ce soit un peu froid. Et effectivement, c'est pas celui qui me tient le plus chaud quand même. Enfin, ça reste du fingering aussi. Je me suis remise à refaire du fingering en me disant que j'allais les porter au travail parce que il fait un peu frais et juste en t-shirt, c'est un peu juste ce que je faisais jusqu'à présent. Mais là, comme on est obligé d'un peu plus aérer en ce moment, parce que partout pareil, je m'étais refait des fingering. Sauf que je pense que je vais prévoir une couche supplémentaire, un autre fingering en gilet, un petit peu loose pour pouvoir mettre par-dessus pour avoir le temps d'aller au travail parce que, ou pour le. Pour la temps de pause ou choses comme ça où j'ai un peu froid. Enfin, d'un côté, vous me direz, je peux mettre un châle aussi. Mais ouais, enfin, il manque une petite épaisseur, je trouve. J'aurais peut-être un petit Regan qui pourrait être pas mal. En lace ou Wallscan. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être un bon basique que je mets par-dessus. En bleu marine. Comme ça, ça va avec tout. Ça pourrait être un bon basique à mettre par-dessus pour réchauffer un petit peu les fingerings qui sont un peu. Qui peuvent être bien en après-midi quand il fait un peu plus chaud, mais que le matin on a un peu froid. Enfin voilà, pour se réchauffer un chouïa. Sinon, que vous dire de mon Zweig, pas grand-chose. Mon idée de vouloir le doubler, la partie. Je crois que j'ai abandonné. Maintenant qu'il est terminé, j'ai plus envie d'y toucher. Et puis, ma foi. Je suis bien avec quand même. Aujourd'hui, ce matin, un peu froid quand même. Des chaussettes. Alors, je vous montre. Oui, si, pour le Zweig, j'ai autre chose. J'ai fait les manches, je ne les ai pas fait comme le patron le prévoyait, c'est-à-dire toute droite et faire des diminutions au niveau de la. J'ai fait des diminutions quand même en dessous. On verra, je suppose, sur le bois. Parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Je me suis dit, si, parce qu'il ne me reste que ça. En fait, peut-être que j'aurais eu assez, mais c'était vraiment trop juste. J'avais vraiment peur de ne pas avoir assez en faisant les manches comme elles étaient prévues, droites et un peu bouffantes. Donc au final, je les ai un peu rétrécies comme j'avais l'habitude de faire, c'est-à-dire tous les. J'ai regardé combien de diminutions je devais faire par rapport à arriver au même nombre de. Même nombre de mailles. Pour le même nombre de mailles, combien il fallait que je réduise. Et finalement, ça fait des manches bien, bien collées quand même. Bah, ça se détend.
sais pas, enfin, je pense que ça va se détendre un peu, c'est pas mal. Donc voilà ce qui me reste. Un petit peu accroché. Là, je vais passer donc aux chaussettes, les Dolores Socks que je vous avais montré la dernière fois qui sont terminées. Les voilà, bloquées avec les côtes et un rabat tubulaire pour rendre ça suffisamment élastique. Donc ça, c'est, je les avais prévues surtout pour les mettre avec une tenue. Vous verrez. Avec des petites derbies et mon pantalon écossais Maréchacha. Et teasing, est-ce que vous le verrez à la fin de la vidéo? Je vous en ai parlé l'autre fois. Donc voilà, les Dolores Socks que j'ai même pas osé porter avant le podcast. Donc vous avez la primeur. Je remets mes chaussons parce que j'ai froid aux pieds. Marie la frileuse. Ensuite, bon, je vais pas m'étaler dessus, c'est un patron qui est assez clair. Ça m'a pris pas mal de temps finalement parce que je me rends compte que deux chaussettes toutes droites, et ben ça va vachement plus vite. Je me suis fait aussi ces petites chaussettes de lit. Alors, je les porte depuis, vous voyez, elles sont un peu dans un état, ouais. Elles m'accompagnent tous les soirs pour m'endormir. J'ai même pas rentré de fil. J'avais fait un petit. Oh, elles sont bien détendues, hein, parce que. Et puis elles sont tellement bien détendues qu'au final, je les quitte la nuit et je m'en rends même pas compte. Donc c'est formidable, ça me tient bien chaud avant de m'endormir, ça me réchauffe. Et j'ai fait un talon en rang raccourci et en faisant un motif avec des mailles glissées, avec le brin sur le devant. C'est ma copine Carole, Carole Tricotte, qui aime beaucoup ce talon-là. Et donc j'ai voulu l'essayer, je me suis dit que pour les chaussons de lit, il fallait que le talon soit quand même bien renforcé parce que ça frotte quand même pas mal. Donc je me suis dit, c'était l'occasion d'essayer ce talon-là. Donc fort de cette expérience, ah oui, alors là, vous voyez, là, il y a des bouloches, là. On les voit pas. Ouais, elles ont vécu. Mon mari, me voyant mettre mes petites chaussettes tous les soirs, me dit... Moi aussi j'ai froid aux pieds. Moi aussi je voudrais bien. J'ai pas résisté aux chaussettes de Noël. Donc, il va avoir ses chaussettes de Noël. Il va falloir qu'il attende de. Je pensais les faire pour son anniversaire. Et j'ai pas terminé. Attends. On sera pour Noël. Voilà. Je les ai fait courtes exprès parce que je me suis dit qu'il m'en resterait suffisamment. De cette laine, oh bah je vous ai pas parlé de la laine, c'est de la Regia avec un design de Arne et Carlos. Arne, pardon, et Carlos. Et donc c'est des, j'allais dire des balles de 100 grammes, hein, les Québécoises. Vous voyez que je suis influencée hein, quand même par. Il y a une sorte de mimétisme un peu. Hein. Donc c'est une laine à chaussettes basique, hein, 75% laine et 25% polyamide. Et oui, donc je disais, je faisais volontairement courte, parce que comme ça, je me suis dit que ça me servait, j'aurais sans doute des restes et que je pourrais m'en faire une paire. Comme ça, on a chacun notre paire de Noël. Que j'ai commencé, mais je vous en parlerai tout à l'heure, de mes mitaines. Un moufle mitaine. Selon un patron gratuit, Espace Laine, je crois. Je vous mettrai en bas si je me suis trompée. Voilà. Que j'ai fait dans une laine d'écart, très bariolée, qui me plaisait beaucoup. Au départ, je pensais m'en faire des chaussettes très épaisses pour faire chaussettes chaussons. Et j'ai abandonné l'idée. Puis je me suis dit que pour des moufles, ça serait bien épais, bien chaud. Donc voilà. Un patron basique, parfait, avec une petite bande de points mousse. Un graphing que là j'ai réussi, mais là j'ai foiré. J'ai pas envie de le refaire. Je dis, tant pis. Voilà, avec des côtes. J'en pouvais pas grand chose à me dire. En tout cas, pour tenir le volant ou pour se réchauffer un petit peu en attendant, voilà. Quand il fait bien froid, parce que ces derniers jours il a fait un petit peu plus frais. Mais j'étais bien contente de les avoir. Ça m'a pris
2 soirées, à peu près. Ça monte assez vite, hein, comme c'est en... Alors, c'est tricoté en 3,5 pour une laine en 4. Donc, comme c'est quelque chose assez dense, quand même. Voilà. Donc, j'ai voilà. Et donc, je parlais de mes chaussettes de Noël, donc... Monsieur. Et... Madame, celle-ci est en cours. Et je me suis dit, ouh, est-ce que je vais en avoir assez? Faut peut-être que je commence l'autre bout. Donc j'ai pris l'autre bout de la pelote et j'ai commencé. Hop là. La deuxième. Ah oui, j'ai rien pensé en voyant les mini. J'ai une abonnée qui m'a parlé que Tricolibri avait fait des chaussettes en justement. Elle s'était aperçue en faisant ses chaussettes qu'elle était beaucoup plus lâche avec ses aiguilles-là qu'avec les. En cœur Magic Loop. Et c'est vrai que j'en parlais que mes Dolores Socks, j'avais fait une partie. Mais j'avais fait la même chose en fait des deux côtés. C'est-à-dire que j'avais commencé jusqu'au talon, j'étais en Magic Loop et après j'étais en petites aiguilles. Et là, finalement, en fait, je fais que les contrastants avec en Magic Loop parce que j'ai du mal à bien à faire les rangs, enfin les mailles en droit en continental avec des mini aiguilles, c'est pas évident. Donc, par contre, en continental, en jersey, là, ça va au kilomètre, ça va assez vite. Ça, j'ai fait ça hier soir et ça, j'ai fait ça ce matin. Vous voyez, en 2 heures à peu près. Je fais ça ce matin. En attendant d'avoir la bonne lumière pour pouvoir tourner. Pour tout vous expliquer. Donc voilà, là je vais attendre d'arriver à peu près au même moment. Et puis après, je diviserai, quand je serai arrivée à peu près au même endroit des deux chaussettes, je diviserai la pelote en deux. Et comme ça, je serai sûre de. Mais il me semble que j'avais calculé qu'il me fallait à peu près 30 grammes en tout avec les contrastants. Et que les contrastants, j'utilisais. 5 grammes par chaussette, je crois, si j'avais bien compris. Mais enfin, je suis pas très sûre de moi, donc je m'étais dit pourtant que ma pelote, j'en aurais sans doute assez et que j'en aurais même voire un peu plus. Mais dans le doute, je préfère faire comme ça pour vraiment optimiser et pas avoir de reste et être sûre d'avoir des chaussettes qui font la même taille. Donc voilà pour les encours. Je ne vais pas vous montrer mon soldotna en laine rustique parce qu'il n'a pas beaucoup avancé. Et j'ai refini hier soir un peu le... Oh, j'en ai pensé que j'en oubliais. Le plus important. J'espère. Oh, c'est tout décousu. Oh, en même temps, j'ai que ça comme en cours. Parce que il y a 2 jours, j'ai terminé. Attends, comment je vais faire ça? Oui, donc pour être. Je disais. Oui, pour être sûr d'avoir des chaussettes de la même longueur, voilà, c'est comme ça que je vais faire. Donc, ça, c'est mon seul en cours. Je l'ai intercalé dans les objets finis. Mais un objet fini, un objet terminé. J'ai mon Ravelo. Il n'est même pas bloqué, je l'ai fini il y a 2 jours. En laine filet main. Et avec les mini, je vous mettrai la photo de Lichen et Lace que j'avais acheté. C'est un badge mini. Voilà. Avec. On voit les. Je crois que les couleurs sont marquées. Voilà. Donc, j'ai commencé alors avec du filet main là. J'ai intégré au fur et à mesure. Ce petit morceau de pressed flower. Oh, j'ose même pas parler anglais, c'est terrible. Donc oui, donc j'ai intégré le pressed flower qui le violet répondait un petit peu à ma laine qui était au-dessus. Ma laine, je rappelle, c'est une tresse que j'ai filée de Malabrico Nube couleur Indéchita. Je vous remettrai aussi pareil la tresse, à quoi elle ressemble.
Après, j'ai vu que mes bandes étaient un peu justes finalement. Je trouvais qu'on voyait pas assez, donc j'ai fait des bandes après un peu plus grandes. Là, j'ai intégré le citron. Là, il y a une bande aussi de la même taille que celle-ci en filet main. J'ai essayé d'alterner en fait le filet main et le pour éviter parce que finalement ma laine était pas. Je crois que je dois avoir des restes. En définitive, à la fin, ça faisait deux singles vraiment pas très retordus. Et j'avais peur qu'avec les frottements, ça l'abîme beaucoup. Donc je m'étais dit, en faisant des rayures comme ça assez fines, ça permet de peut-être de que ça soit moins fragile. Donc là, j'ai le citron. Et là, j'ai voulu faire une bande plus grosse parce que je voulais bien qu'on voit toutes les couleurs. Et celui-là, c'est celui que je préfère, c'était le Icy Seashell. Là, j'ai de nouveau du filet main. Et on voit que les couleurs du filet main, c'est beaucoup plus fondu, beaucoup plus. Enfin, c'est pas du tout la même chose qu'avec les speckles ou des choses comme ça. Là, c'est le Silver Fox. Puis vous voyez, j'ai un peu de violet de mon. Voilà. Le Silver Fox. Là, c'est toute une partie du filet main. Vous voyez comment c'est fondu. Finalement, en faisant une alternance d'un rang sur l'autre, ça faisait assez fondu. Là, c'est linen. Là. Vous voyez que là, sur mon écheveau de filet main, je suis partie un peu plus sur du vert. J'ai refait un petit rappel de citron au bas. Là, j'ai mis pour les côtes de la laine à chaussettes brun Rico Design. Qui... Alors, je sais pas si c'est cette pelote-là ou pas, mais j'ai trouvé que le brun était pas top top, un peu effiloché. Enfin. Mais je me suis dit que sur les côtes, il fallait que je mette une laine qui était un peu plus résistante pour les frottements. Je l'ai repris pour faire les cordes aussi, là. Alors, je vous montre les cordes, comme ça sera peut-être plus joli quand même. Voilà. Et pour les manches, je les ai fait en double. C'est la première fois que je faisais ça, parce qu'en général, je fais plutôt sur des petites circonférences et je fais les manches au kilomètre. Là, je les ai fait. Alors, j'ai trouvé ça un peu casse-pied quand même. Alors, je prenais l'intérieur et l'extérieur de la balle. Comme ça, j'étais sûre d'avoir les mêmes nombres de rayures, les mêmes couleurs au même moment. Enfin, même couleur, pas tout à fait, parce que là, il y a toute une partie de filet main. Et on voit vraiment bien le dégradé. Là, je me suis dit, au milieu des manches, ça sera peut-être pas trop fragile, encore qu'il y a les coudes. Mais au pire, je pourrais faire du. Et là, on voit bien que mon écheveau, il était parti du violet, et il revient au vert, et on se rejoint. Et là, il y a la partie. Alors, cette couleur-là, je ne sais plus, c'était. Peut-être rhubarbe. Non, c'est. Oui, celle-ci, c'est Fade Roses. J'aime beaucoup ce rose. Je l'ai mis pas très loin du Icy Seashell, que je trouvais pas mal. Et. Après, ça doit être Orchidée. Orchidée. Et j'en avais pas assez pour faire le. Vraiment la toute fin, j'ai rajouté mon petit reste de laine teint à l'avocat. Et bah ma foi, j'ai même pas fait de comment s'appelle de fondu là cette fois-ci. J'ai arrêté puis j'ai repris. Voilà. Je l'ai même pas essayé encore, mais c'était un modèle dont je savais que la taille me convenait parce que je l'avais déjà fait. Non, je l'ai pas là. Mais qui était très abîmé. Donc j'ai voulu le refaire. Et j'aime beaucoup. Voilà. Je vous verrai à la fin au défilé. Oh, mais la partie, rien qu'en filet main, là. Oh, c'est une douceur. Mais c'est doux, doux. Je vais essayer de vous montrer quand même le fil. Je m'y pose. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, quand je vous disais qu'effectivement, là, c'est le petit bout qui me reste du montage. Quand je vous disais que c'est vraiment deux brins de fil single, vraiment. Là, on le verra mieux. Vous voyez, il est vraiment pas très. Il est vraiment duveteux. Oh, on ne voit pas bien. Est-ce qu'il faut que je me cache? Bon, je vais pas passer trop, voilà. Vous voyez,
Effectivement, ça fait un côté vraiment très doudou, très douillet quand on voit à côté effectivement une laine commerciale qui est un peu plus retordue. Ça sert à faire comme ça là. Oui, bah en fait c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Bon. Voilà pour le Ravello. On va passer aux objets, enfin, au futur projet. Un futur projet, ben, j'aimerais utiliser donc celle-ci que j'ai filée. Que je peux vous montrer. Qui était le nuage dont je vous avais parlé l'autre fois. Avec peut-être mes restes du Vertice Unit où j'ai quand même quelques restes. Alors, est-ce que j'essaye de faire mon propre selon l'inspiration et puis ouais, il me reste aussi celui-là surtout. Il me reste encore et celui-là, j'aimerais bien l'utiliser et le valoriser parce qu'il est quand même beau. Je pourrais peut-être faire un châle triangulaire et insérer des moments un petit peu plus d'une couleur, d'une matière différente, d'une épaisseur différente. Et puis, ou alors faire le waiting for rain que je pensais faire. Je sais pas. C'est vrai que pour le Ravello, je reviens à celui-là. Je me suis vraiment éclatée niveau couleur, de les agencer, d'essayer que ça soit. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de doutes pendant que je l'ai fait. À la fin, j'étais contente, mais j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de doutes. J'étais vraiment pas sûre de moi. Et est-ce que je vais être capable de faire quelque chose sans patron avant? Je sais pas. Je sais pas si je suis assez créative pour ça. Je suis peut-être plus une exécutante qu'une créatrice. Je sais pas. Ou c'est que je n'ai pas suffisamment confiance en moi. C'est possible aussi. Mais il faut peut-être se lancer, et puis c'est peut-être le moment d'essayer. Et puis, comme on dit, un tricot, si c'est pas bien, bah, on défait et puis on refait, hein. Voilà. Mais bon. Sinon, à suivre, j'ai le fleuriste. Alors, j'ai une gentille abonnée, je sais pas si elle est abonnée ou pas, qui m'a prévenu que ce gilet. Les devants n'avaient pas le même nombre de mailles que le derrière. Alors je pense que le devant est peut-être pas avec le même nombre de mailles pour compenser avec la dentelle qui se détend. Et elle me disait que c'était dérangeant en fait parce qu'il fermait mal. C'est vrai que. Alors elle m'a conseillé effectivement de compenser et de rajouter les mailles qui manquaient. Ce qui va faire que la dentelle n'ira pas jusque-là. Alors, est-ce que j'essaye de refaire la dentelle sur les 9 mailles que je rajoute? Est-ce que je laisse ça en jersey? Parce qu'il y a une partie jersey, finalement, je me suis aperçue en regardant bien le patron que c'était sur un nombre de mailles, mais qu'il restait une bande de jersey je sais plus, d'une dizaine de mailles, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui permet pas de faire un autre morceau de la dentelle. Je sais pas, il faut que je réfléchisse à tout ça. Donc pour le moment, il est encore en stand-by. Mais j'attends mon cadeau de Noël pour qui sont les nouvelles aiguilles. J'ai demandé au Père Noël. un kit d'aiguilles Shiago. J'ai craqué, ça me fait envie depuis déjà pas mal de temps. Mais Ayaya, le câble est complètement coudé et finalement ça glisse plus super bien. Donc j'avais envie de passer à un autre modèle. Donc j'attends d'avoir pour monter ça. Je pense que je vais attendre ça. En attendant, je vais filer. Ma tresse. Je les ai séparées en deux comme j'avais fait la dernière fois. Voilà.
Et peut-être que j'en ferai un châle avec le bleu. Ça pourrait peut-être se marier assez joliment. Voilà, il me reste ça à faire. Ça va être vraiment. J'ai hâte de m'y mettre hein, parce que ça va être super joli. Hein. Ces couleurs là. J'ai hâte de voir ce que le résultat. Donc j'ai ça à faire, mais je vais peut-être essayer de m'améliorer au niveau de la torsion, pardon, je perds mes mots. La torsion, je pense qu'il faudrait que j'aie un peu plus de torsion que sur le pull à voir l'usage. Je crois que je vais voir un petit peu après avoir porté un peu mon Ravello ce que ça donne pour ajuster. Mais je suis un peu perdue au ouais, niveau tension. Si j'en mets trop, après mon écheveau est pas balancé. Et ça risque d'avoir un tricot qui part un peu, qui est pas très équilibré. Mais d'un côté, quand on le met à la vapeur, ça le fixe. Donc à ce moment-là, il est bien balancé. Je suis un peu perdue. J'ai un peu perdue. Donc j'attends de voir un petit peu à l'usage ce que ça donne. Mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour niveau tricot. En un mois, deux pulls. Pas mal, hein? J'ai gazé, hein? Je m'en rends même pas compte. Ensuite, on va passer à la partie couture. Alors, la partie couture. Il y a un t-shirt dont je vous avais parlé en céladon. J'ai réussi à faire deux t-shirts. Donc, le Alicia de chez Machine. Alors, par contre, je me suis craqué là. La bande d'encolure. J'avais perdu la pièce de patron. Et j'ai voulu la faire en la recalculant en faisant 0,8. C'est ça. Calculant comme ratio. Et en fait, elle était un peu trop courte. Donc, j'ai dû tirer. Oh bon, sur un pull, sous un pull. Si je cours bien vite, ça se verra pas. Tout qui se casse la figure. Donc le deuxième. Plantain de Jirendou. Ouais, il est découpé. Quand j'en ai besoin, je l'utilise et puis c'est tout. Il va. Alors, je vais même pas vous l'essayer parce que bon, c'est un plantain. Hein. J'aime pas trop la double aiguille, donc j'ai fait un point zigzag élastique. Et puis en bas, là, j'ai fait un autre type de d'ourlet. Voilà. Du gris. Voilà. Parce que la double aiguille, je trouve que ça tient pas très très bien. Je dois pas avoir le bon. Je pense que mon fil de derrière, il doit pas être suffisamment tendu. Ou je sais pas. Enfin bon, ça me casse les pieds d'avoir deux bobines du même fil, de l'installer et tout. Ça. Donc voilà comment je compense. Et puis ça tient pas mal comme ça. Ça donne une bonne élasticité. C'est pas mal. J'ai l'impression d'avoir un Donc voilà, ça c'est les petites coutures un peu rapido pour aller. Alors, attention. Je remets mes perles pour faire Marie Chacha. Tadam! Je l'ai fait! Mon pantalon! Oh, j'ai même pas fini là pour l'élastique. Je savais pas trop quelle longueur à prendre. Voilà. Donc le voilà, le pantalon en laine. Hein, parce que j'ai eu quelques téléspectatrices là qui m'ont dit de le faire en pyjama. Je pouvais pas le faire en pyjama, c'est de la laine. Laine et polyester. Donc, alors niveau raccord, je suis pas fière de moi. Pourtant, j'avais essayé de bien calculer. Mais c'est un peu craqué. Il y a des poches. Pareil, là, c'est. Pouf, pouf. En courant bien vite. Donc voilà, j'avais donc l'idée de cette tenue. Là, c'est un petit peu mieux les raccords. Un petit peu mieux. Ouais, un petit décalage même. Voilà. Donc, ça avec des petites derbies, des chaussettes tricotées main, là, les Dolores avec mon gilet et mon t-shirt. Je pense que c'est pas mal. Et qu'un petit rouge à lèvres un peu Pepsi pour pas faire un trop. Encore que ça peut faire un peu des dames aussi. Hein. Voilà mon idée de. Alors, c'était selon un modèle, enfin, inspiré, parce que
Au final, j'ai fait pas mal d'adaptations, au final. Enfin, d'adaptations, si on peut dire. Alors, attendez que je le retrouve. Donc, c'est ce style un peu paper bag. Mais en fait, le paper bag, ça me va pas du tout. J'avais fait le volant, mais le volant se plaquait pas du tout. Ça faisait un espèce de tutu. Enfin, c'était horrible. Je l'ai décousu. Je l'ai fait, hein, je l'ai monté et tout, hein, je l'ai essayé. Je lui ai donné une chance. C'était pas pour moi. Donc j'ai décousu le volant et puis je vous verrai le résultat au défilé. Voilà, qu'est-ce que j'avais de plus à vous dire? Oui, donc en fait, ce que j'ai adapté, c'est que j'ai pas fait la braguette. Parce que j'en avais pas besoin. Parce que je l'enfile, vu qu'il est élastiqué dans le dos. J'ai récupéré la ceinture que, au lieu de la mettre, de la mettre au milieu, bah, j'ai fait sur les côtés. J'ai descendu la taille de 2 cm pour que ça corresponde. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? Je crois que c'est tout. Donc j'ai pas fait les passants. J'ai juste intégré ma ceinture, enfin le petit nœud. Normalement, il doit faire tout le tour avec des passants, mais moi, j'avais pas assez de tissu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait que la moitié, je l'ai intégré dans la couture des côtés. Vu que j'avais pas de devant-derrière. Voilà. Voilà, voilà pour ça. Ensuite. Donc les deux t-shirts, le pantalon Marie Chantal. Ensuite, j'ai fait une blouse Be Pretty d'Atelier Skamit que j'ai retaillée dans la taille du dessus par rapport à mes précédentes. J'ai fait une taille 44 en me disant qu'effectivement je faisais un tour de poitrine de 100 et que c'était bête de pas respecter le tableau des mesures. Sauf que je pense, enfin, j'écoute beaucoup en ce moment Mélina avec ses adaptations morphologiques et l'Irbis qui fait aussi, qui s'est beaucoup intéressé au sujet. En fait, la taille 44 me va pas vraiment. Tu vas avoir une longueur d'épaule qui doit être trop courte, enfin, qui doit faire de la taille en dessous. Alors, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse plutôt une adaptation poitrine, mais encore que dans le 42, ma poitrine passe quand même. C'est le dos en fait qui pose problème, où je suis un peu étriquée et c'est souvent là que ça pose problème. Donc en fait, je pense que moi, il faudrait que j'utilise peut-être la taille du dessus pour le dos, au niveau des épaules, du dos, parce que ça me permettrait de pouvoir bouger un peu plus. Parce que la taille 42 au niveau de ligne d'épaule m'arrive au bon endroit. La poitrine passe. Parce que je dois avoir peut-être une plus petite poitrine. Mais au niveau du dos, ça passe pas. Donc, est-ce qu'il faut que j'éclate ma pièce de dos pour récupérer un petit peu d'amplitude sans que ça poche derrière? Parce que là, au final, celle-ci, là, j'ai un bec derrière. Enfin, je vous la montrerai. Là, ça descend trop bas. Les pinces poitrines sont au bon endroit. Encore que. Mais, et souvent, ce qui plisse, c'est ici. Ça me plisse de trop haut, là. Alors, donc, celle-ci, pour la récupérer, je pense qu'il faudrait que je la coupe au milieu et que je fasse une patte de boutonnage. Ça pourrait rattraper le fait que bah, y a trop de tissu sur le devant, en fait. Mais ça rattrapera pas l'histoire du bec dans le dos. Sinon, les manches, bah, sont pas mal. Elles sont un peu larges, mais ça passe. Hein, une taille de plus, ça fait pas une grosse différence. Après, c'est un petit peu large, mais je pense pas que vous le verrez nécessairement au défilé. Mais moi, je le sens qu'effectivement, ben, y a trop de tissu, quoi. Enfin, ouais. Je vous montrerai donc une fois porté. J'ai posé un passe-poil et puis j'ai fait une surpiqûre au-dessus, mais j'aurais pas dû en fait, je pense.
C'était pour maintenir un peu mes parementures, parce que je sais que la parementure de ce. Elles ont tendance un peu à se relever et tout ça. Puis comme j'avais pas fait le système du bout et tout, parce que je voulais l'essayer avant de mettre la parementure, parce que je pensais peut-être devoir rafistoler un petit peu à cet endroit-là. Je sais que sur le précédent modèle, c'est ce que j'avais fait. J'avais enlevé 1 cm là, parce que sinon ça godaille d'ici. La taille 42, ta godaille d'ici. Godaille, mais juste là, en fait. Là, ça serait trop long. Il y aurait enfin, 1 cm de trop. Souvent, j'ai besoin de faire ça pour que ça soit adapté. Alors, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne. Alors, je suis à me demander si je vais pas faire un patronage d'une base de haut et qu'après, en fonction de. J'adapte les patrons que je veux faire en fonction de ça. Je sais pas. Je m'étais offert 2 livres sur patronage, sur des adaptations de patronage. Je sais pas, peut-être que ça serait la solution pour que enfin j'ai des choses qui soient pas un peu, toujours un peu bancales. Voilà, c'est vrai que là j'ai envie de progresser sur des choses qui me vont vraiment sur mesure, quoi, pas de l'à peu près. Donc voilà. À suivre, j'ai une Victoria que j'ai pas eu le temps de finir dans le même tissu, qui est une viscose que j'avais acheté chez Toutou. Je devais avoir presque 4 ou 5, 4 mètres, je crois, ou 3 mètres. Je sais plus. Je t'ai dit que c'était bien. Enfin, c'était au poids, donc je n'avais pas regardé vraiment le métrage. J'aimais bien le fait que ça soit un peu uni, mais qu'il y ait un point texturé, en fait. Donc, à faire avec ce même tissu, je vais faire une Victoria. Pareil que j'ai taillé dans la taille du dessus parce que et auquel j'ai rajouté les marges de couture parce que la dernière fois je m'étais plantée, j'y avais pas réussi. Donc elle m'allait pas du tout. Voilà. De fibre mood. Un patron que j'avais fait déjà pendant le confinement. Premier confinement. À voir comment ça se passe. Je pensais peut-être. Je vais peut-être mettre un passepoil. Ou alors je vais pas me compliquer la vie, parce que je suis même pas sûre. Je suis pas convaincue non plus. Que ça soit la bonne taille non plus. Donc bon. Je sais pas du tout. Après, j'avais l'idée de me faire cette robe-là que j'aime beaucoup, toujours dans le même hors-série. Et je pensais pas le faire avec un jersey matelassé. Je pensais peut-être la faire en velours bleu marine. J'aurais très envie de ça. À voir si j'en trouve dans ma mercerie à côté de chez moi. Et j'avoue que ce modèle me plairait bien. Il ressemble pas mal à celui d'Icati, mais sans être le même. Et si je vais à la mercerie, je pense que j'essaierai aussi peut-être d'acheter effectivement du matelassé pour essayer de faire ça à mes filles. Parce que ça, c'est vrai que ça, ce modèle-là, c'est vraiment. C'est matelassé de jersey, là. Mes filles, elles portent beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de choses. Ou même si je trouve pas en matelassé, je le ferai peut-être tout simplement en sweat, parce que c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Parce que dans les classes sont assez chauffées et finalement avec les sweats, elles sont assez bien. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Et oui, ce magazine, je suis bien contente de l'avoir acheté. J'ai pas été convaincue par le dernier là. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais. J'ai fait le tour pour la couture, même si effectivement je manque pas de vêtements, donc je suis pas pressée non plus. Là, ça va être les fêtes de Noël, donc ça va être un peu compliqué, je pense, de coudre et voilà. Donc, on va voir comment ça va se finir. Ensuite, je voulais vous parler aussi. Vous avez peut-être vu ce qui m'entoure un peu. C'était un stage que j'ai fait dans le cadre d'un boost proposé par les Tribulations de Marie. Je suis désolée, je suis en train d'étirer mon bras là parce que je commence à sentir la tendinite revenir. Je pense que j'ai tricoté sur mes petites aiguilles un peu trop longtemps. Et voilà, je sens que j'ai besoin d'étirer un petit peu mon canal. Enfin, c'est pas mon canal carpien d'ailleurs, c'est un peu plus compliqué, c'est
Oui, donc, j'en reviens. Ouh là là, ça part dans tous les sens. Je couperai ça. Oui, alors, je disais, j'ai participé à un stage des tribulations de Marie, qui s'appelait le stage Winter Booster, donc qui faisait de l'aquarelle. Et j'ai commencé par ce modèle avec des sapins, qui était le premier jour. C'est quelque chose qui est plus disponible actuellement. Elle avait fait des petits tutos qui et c'est vrai qu'il a été pas mal relayé et il y a eu beaucoup de participantes et c'est vrai que c'était vraiment très très sympa. J'ai acheté deux de ses livres et j'avoue que j'aime beaucoup. Donc voilà celui-là pour commencer. Ensuite il y avait des boules de Noël mais que j'ai pas tant aimé donc je ne l'ai pas sorti. Ensuite il y avait le sapin. Bim. Je sais pas si je ferais pas plutôt une vidéo. Donc là le sapin avec là j'ai essayé de faire une hellebore, une rose de Noël. Ici un poinsettia. Et là j'ai une pomme de pin. J'ai été hyper frustrée par ma pomme de pin. Je trouvais que mon aquarelle, ma aquarelle fine de chez Sennelier, était pas assez pigmenté, parce que c'est vrai que j'ai racheté quelques godets à l'unité au final en extra fine et je vois la différence. Vous voyez là, l'indigo il est en extra fin et c'est quand même vachement plus intense. Tiens, je vais vous montrer d'ailleurs. Alors je sais pas s'il y aura une partie aquarelle à chaque fois, mais bon, je vais vous montrer. Je vous disais qu'effectivement j'avais j'étais frustrée. Là c'est mon carnet d'essai par mon marron. Vous voyez, j'avais fait des. Je trouvais qu'il était vraiment pas très, très, très intense. Comme à contrario de par exemple ce vert là que j'ai racheté, qui est un vert de périlène en demi. Là, c'est pareil, c'est en turquoise que j'ai racheté à côté. On voit quand même que c'est vachement plus intense, quoi. Parce que voilà, là j'avais. Bon, ça, après, c'est suivant. Ça, c'était. Voilà, vous voyez un peu mes essais, mais voilà. Oh, j'ai pas ramené la dernière d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Et là, vous voyez mes essais de marron. Donc là, c'est mon marron. Ça, voilà. Là, c'est mon marron que j'ai de base. Et ça, c'est le marron que j'ai racheté. Vous voyez, il est quand même beaucoup plus intense. Hein. On voit la différence entre le fine et l'extra fine. J'avais fait des petits essais de marron un peu, voilà. Pour, et puis après, j'ai fait un petit amusement pour voir. Enfin, il est pas réussi du tout. J'aime pas du tout. L'arbre, voilà. Bon. Voilà, j'ai voulu tester. L'arbre est vilain, hideux. Mais voilà, c'était le but, c'était d'essayer ce nouveau marron. Et je suis super contente, je trouve ça super joli. Voilà. Bon, ça, on oublie, hein, c'est un essai. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que. Ensuite, oui, je continue sur le. Donc, c'était le sapin. Ensuite, c'était la couronne. Voilà. Effectivement, c'est quand même vachement plus joli. Hein. Là, c'est pareil, j'ai dû mélanger un peu mes aquarelles. L'aquarelle fine est quand même. On voit la différence entre fine et extra fine. Donc la couronne, après il y avait le village sous la neige. Enfin, je sais plus bien, vous pouvez regarder sur mon compte Instagram, je les ai mis jour par jour, ça m'a bien motivée. Voilà, j'avoue que j'avais fait une deuxième version aussi, celui-là j'avais essayé de le faire. Mais j'adore là le côté brume. Même d'ailleurs, je pense que ça aurait dû être l'inverse en fait. Normalement, dans un lever de soleil, en général la nuit est au-dessus et ça revient au-dessus. Je pense qu'il y a une erreur, mais bon. L'effet est quand même vachement joli. Ensuite, il y avait la composition avec l'oiseau. Là, je ne suis pas méga fière de moi non plus. Même si j'aime beaucoup ces baies, là, bleues. J'adore le bleu, de toute façon, vous avez bien compris. J'ai essayé de faire des feuilles de lierre qui sont bof bof. Là, j'ai refait mes pommes de pin, toujours avec mon marron que j'ai trouvé frustrant. Là, j'ai essayé de faire des pines de pin, voilà. Et puis ma petite mésange. Que je trouve. J'aime beaucoup cet oiseau, la petite mésange. Bah, c'est bleu, voilà.
Là, j'ai essayé de faire, de m'inspirer, vu que depuis mon atelier, j'ai la vue sur mon, sur un, une passiflore. J'ai essayé de refaire les feuilles, un peu de passiflore, mais c'est pas. Je suis pas convaincue. Voilà. Et puis mon oiseau est peut-être un peu trop dodu. J'en ai fait une deuxième version que j'essaierai de vous mettre. Je vous mettrai en photo. Je l'ai mise sous verre pour, en annu pour le Noël de ma mère. Même si je la vois pas, je pense qu'on se verra pas à Noël. Ce Noël-ci. Ma mère étant une personne à risque en étant diabétique, obèse, et mon père aussi. Plus de 65 ans. Donc, on va être raisonnable. Et puis de par mon métier, je suis quand même à risque de rencontrer des gens quand même qui puissent. Donc, avec mon frère, on a des. Mes frères et sœurs, mais mon frère surtout qui est médecin aussi, qui est angiologue, on a décidé quand même d'être raisonnable et de différer peut-être. Déjà qu'on souhaite être tous les deux vaccinés, mon frère et moi vaccinés. Et que l'épidémie soit un petit peu mieux contrôlée. Voilà. Bon. Après, ce n'est qu'un avis, hein. Voilà. Et peut-être celui que je préfère, que j'ai préféré aussi, c'est celui-là. Le petit visage de la Laponie. J'aime beaucoup cet effet-là de profondeur avec l'utilisation. Après, c'est sympa, là, je suis un peu moins. Là, ce côté-là, je trouvais un peu vite. J'aurais dû mettre peut-être ma maison un peu plus basse. Ça a peut-être été plus équilibré, plus joli. Mais voilà. Mais je suis assez contente. Voilà. De mes réalisations. Même si, vous voyez, je suis assez critique. Mais vis-à-vis de mes. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Sais pas ce que je vais en faire. Faudrait peut-être que je les encadre. Je sais pas. Mais pour le moment, voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec ces images. Et puis, je vais vous laisser pour le défilé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, bye bye, à bientôt. Et merci encore pour toutes les interactions que j'ai pu avoir à propos du pantalon Marie Chacha. Et je vais vous laisser avec le défilé de Marie Chacha.